CARICOM te gagné pour lui rentrer dans le pays, ya. 29 octobre qui s'est passé à là, côté visite li tabout, 6 novembre qui a venu là, côté te gagné des discussions qui t'apprêt à la supposée fête, ensemble avec acteurs politiques et société civile en de pays d'Haïti pour capable joindre un consensus afin pour permettre joindre un couloir humanitaire pour organiser élection en de pays d'Haïti. J'aime te dire nous, Ariel Henry a fait année ça, il a fait année 2024 sous pouvoir, quitte nous voulons, quitte nous pas voulons, parce que dans moment là, nous occupons l'esprit nous, ensemble avec un paquet l'autre bagaille. Selon CARICOM, il y a venu après que l'ONU t'a débarqué ensemble avec l'instruction 13 novembre 2023 parce que y a pas gain intention à chita parler ensemble avec pièce politicien pas bon ici qui a financé groupe armé ou du moins qui a volé l'argent dans caisse l'État qui donc y a obligé rete tan que Ariel Henry sous bisquette parce que puis fort partenaire politique li yo gagne non yo qui inscrit sous liste Nations Unies pral gagne pour la guerre ça qui veut dire bagay yo pas facile pour PM nan du tout surtout ensemble avec arrestation Joseph Félix Badio au conseil transition qui presque décidé virer Dubaï PM nan donc ça veut dire ti groupe moun minime qui ensemble avec li yo pas capable permettre li kembe pouvoir. Donc, faut que PM nan joigne yon solution pressée, ensemble avec ça qui a passé actuellement là, en dans pays d'Haïti. Et pour jouer une solution, ça, faut qu'il chute à parler ensemble avec des séries moun, qu'elle pat même supposé. Qui donc, CARICOM parle année passée, CARICOM parle année ça, rencontre fête Jamaïque, moun yo fume buzz, moun yo danse, moun yo fait cray, moun yo mange, yo pren plaisir, et puis yo sorti ensemble avec yo accord qui ça même bien comment accord arrivé, oui seigneur, accord côté moun yo siyen, dans Jamaïque, même bien nous à quoi, eh bien jusqu'à présent pour que j'aime gagner un rien sérieux qui régler ensemble avec dossier ça dans pays d'Haïti. En tout cas, n'a prétend 13 novembre pour nous capable voir qui ça qui pral venir. N'a quitté dossier si là, nous pral ensemble avec expert indépendant Nations Unies dans droit moun en pays d'Haïti qui sous deuxième visite et qui senti que bagaille pral vraiment compliqué pour lui puisque la situation ça qui a passé actuellement en pays d'Haïti a vraiment préoccupé ensemble en suivant déclaration William O'Neill. Une visite officielle en Haïti. Je continue d'être alarmé par la situation préoccupante qui s'entend rapidement dans d'autres départements, notamment dans l'Artibonite et dans le Nord-Est. Les meurtres, blessures et kidnappings sont l'apanage quotidien de la population. La violence sexuelle envers les femmes et les filles demeure endémique et aucune avancée concernant l'accès aux services et à la justice pour les survivantes n'a été enregistrée depuis ma dernière visite. Je suis particulièrement préoccupé par l'impact de l'insécurité et de la violence sur les enfants. Les témoignages reçus sont édifiants. C'est une génération entière qui semble sacrifiée par la violence et l'avenir d'un pays qui est menacé par la situation dramatique de sa jeunesse. J'exhorte les autorités à accorder une attention prioritaire à la situation des enfants. Beaucoup ont subi et continuent de subir de graves violences et de violations de leurs droits. Ils sont aussi victimes de la situation humanitaire catastrophique avec un accès à la santé, à l'eau, à l'alimentation et à l'éducation sévèrement entravée. C'est particulièrement le cas dans les quartiers défavorisés sous contrôle des gangs et désertés par l'État. J'ai reçu de nombreux témoignages indiquant que beaucoup d'enfants souffrent d'émaciation, forme de malnutrition la plus mortelle. Plus de 500 000 jeunes n'ont pas accès à l'éducation. De nombreux enfants de ces quartiers sont recrutés par les gangs, faute d'opportunités ou par peur des représailles. Le système de justice haïtien demeure dysfonctionnel et non adapté pour protéger les enfants en danger et pour très dysfonctionnel. Les mineurs en conflit avec la loi. Très dysfonctionnel. Le tribunal pour enfants est paralysé. J'ai visité la prison pour mineurs de Port-au-Prince de Saint-Michel
et j'ai fait un constat alarmant de la surpopulation carcérale avec un taux d'occupation dépassant le 350%, mais aussi de l'insalubrité et du manque d'accès à l'eau potable exposant les enfants aux maladies. 99% des mineurs détenus dans la prison n'ont pas été condamnés. La plupart sont en situation de détention préventive prolongée. Ils sont incarcérés depuis des années pour vol d'un pool ou de chaussures ou de téléphone sans avoir vu un juge. J'ai néanmoins été encouragé par la mise en place d'une commission intergouvernementale pour permettre de désengorger les prisons. Mais il nous faut des résultats rapidement. La situation des déplacés internes me préoccupe également. Il y a au moins 200 000 personnes déplacées en Haïti. 200 000. Beaucoup se trouvent dans des conditions de vie inhumaines, sans accès aux services de base. 200 000 déplacés dans propre pays. Non, c'est pas quelqu'un qui dit, oui, pour comprendre. Parce que le réaliser qui gens que situation compliquée dans le pays d'Haïti, et pourtant il y a environ 200 000 moun dans propre pays pays, oui, qui déplacés, qui par contre, qui côté au bras, qui ça au bras fait, pour qui ça pour groupe gang. Oh, le gouvernement qui l'a, le ministère de justice qui l'a. Non, non, définitivement, nous problématiques dans le pays d'Haïti. 200 000 moun. Fortune, j'ai reçu des témoignages effroyables d'enfants et de personnes âgées qui dorment à même le sol, ah oui, près de monticules de déchets, oui, et sans accès à l'eau potable. Oui, j'ai aussi entendu les témoignages de femmes et de filles qui sont victimes de viols à répétition sans accès aux soins. Ah oui, comme ça. L'État doit prendre ses responsabilités qui pour côté, prévenir qui bon les violations et les abus des droits humains, mais aussi pour protéger sa population, en particulier les populations les plus vulnérables. J'ai entendu un désir fort pour l'arrivée de la mission multinationale de soutien à la sécurité, l'ISS, au sein de la population haïtienne. Le déploiement imminent de cette mission dans des conditions strictes de respect et de protection des droits humains est nécessaire pour soulager la population et les proies à la souffrance et les rémunérer. Il néanmoins reste fondamental que cette mission anticipe et prenne la mesure des défis actuels pour réussir son objectif sur le long terme. Beaucoup de ces mesures doivent passer par un retour à la confiance de la population dans ces institutions. Quelle confiance ? Celles-ci doivent être renforcées notamment par l'intermédiaire du système de contrôle public fiable et transparent pour endiguer la corruption et l'impunité. La police nationale haïtienne doit notamment accélérer son processus de vetting de ses agents et le système judiciaire doit achever la certification de ses magistrats. Les codes de déontologie doivent être mis en œuvre. Je réitère mes encouragements au travail mené par l'unité de lutte contre la corruption pour lutter contre le fléau de la corruption ici en Haïti. Le régime des sanctions internationales a lancé un signal fort pour démanteler les réseaux de corruption qui gangrènent le pays. Il devra aussi être accompagné par des poursuites judiciaires au niveau national pour mettre fin à l'impunité. Je réitère mon appel à la communauté internationale pour mettre fin au trafic illégal d'armes et de munitions qui circulent en Haïti et continue de faire de nombreuses victimes chaque jour. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration William O'Neill, qui est expert indépendant des Nations Unies dans le droit moun, qui est débarqué en Haïti pour une deuxième fois, qui a regardé qui la situation a dégradé. Mais nous vraiment problématique en de pays. Parce que si je dis là, nous avons tout le monde qui est déplacé, la police pas dit rien, ministère affaires sociales pas dit rien, ministère intérieur pas dit rien, ministère la justice pas dit rien, c'est que vraiment nous gagnons un poule qui crève dans cerveau nous, l'impossible. N'a quitté question si là, nous aller ensemble avec juge Bernard Séville, mesdames et messieurs, qui pral ba nous quelques détails dans visite lui-même ensemble avec commissaire gouvernement Port-au-Prince là, t'es fait dans Sermicol. Correctionnel spécial ça que nous fait dans centre Sermicol, centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi. Donc, on a dit la semaine dernière, il
y a une commission conjointe qui forme, c'est-à-dire le ministère de la Justice avec CSPJ, ils ont formé une commission pour voir comment ils sont capables de désengorger la prison. Lundi désengorger, ce n'est pas là que les gens qui font gros actes, non, mais c'est statué sous somme. Ça mérite là pour organiser des audiences spéciales, ça mérite là que nous avons yo. Mais ça qui mérite condamné tout pour être capable de jugement de condamnation, au moins permettre de fixer sous soi pour connaître combien de temps il aurait été dans la prison. Tant pour nous, la semaine dernière, suite à la première réunion que nous avons faite, la semaine dernière, nous avons visité la pénitentiaire nationale, la commission 1, nous avons identifié l'espace qui est capable de servir de salle d'audience en la pénitentiaire, nous avons identifié deux espaces. Il était question pour équiper lui, pour aménager, pour être capable de commencer à faire audience. Nous sommes venus ici à tout. Nous avons identifié un espace, ces bibliothèques-là, qui pouvaient servir salle d'audience. Et jeudi dernier, nous sommes venus encore, commissaire là, moi-même avec d'autres membres de la commission. Hein. Nous avons identifié quelques dossiers, des bons traitements qui ont été faits des dossiers. Ça y est, il y aurait quelques monde qui n'étaient pas rentrer la caillou. Le commissaire gouvernement a ordonné que les gens aient rentré la caillou. Nous avons une émotion qui a été le monde qui a été appris, le statut sous soi et avant de la caillou. Mais nous avons tout pris rendez-vous matin hein, pour nous mettre une série de dossiers en état pour nous être capables de venir dans le jugement. Ça, nous avons fait depuis matin, nous là. Il y a des dossiers qui sont en état. Nous faisons audience. Il y a quelques petits problèmes. Bon, c'est la loi qui m'a demandé pour citer les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice. Tant que les audiences sont les victimes de blessures graves. Si le commissaire gouvernement a demandé pour permettre de relayer les gens pour être capable de venir dans les circonstances de blessés, le tribunal a fait droit à demander. Il y a un autre cas où il y a une technicalité là-dedans. Dans le dossier, c'est deux personnes. C'est pendant l'audience que nous avons pris un nom de pénitentiaire, ça veut dire bon fils, bon garçon. Et nous n'avons pas jugé le dossier pour juger une pour quitter l'autre. C'est un dossier qui concerne deux personnes. Nous sommes obligés de mettre affaire, nous ordonnons la suspension de l'audience, nous mettons affaire en continuation pour nous capables. Fixer l'audience là pour mardi qu'a venir là dans retourner même côté pour être capable venir faire audience. Il y a quelques dossiers nous t'ai pour temps de tout mais il y a quelques petits problèmes mis en état qui fait pas arriver dans de même pas ces formalités ça yo. Il y a bien temps rempli dans fin semaine là, nous on a bien deux jours congé qu'a continuer paralyser activité mais on va le mettre boucher double vendredi pour faire formalité qui méritait rempli lundi nous gain audience en bas mardi pour retourner là. Une faire audience correctionnelle encore. Nous avons des dossiers qui ont été 4 personnes. Nous avons eu tout le monde là, tout le monde a condamné. Bien que vous reconnaissez en faveur, ça a eu l'excuse de provocation parce que fait qui produit la caille, côté mon nom de balcon avant, mais la loi dit les faits excusables, ça ne veut pas dire ou la gué mon nom net. Oui, vous êtes capable d'atténuer la peine. Ça veut dire, et dernière alinéa, article 271 dans l'idil, s'il s'agit d'un délit, pendant la variante 6 jours et 6 mois. Ça que nous avons fait, certes nous reconnaissons que nous sommes coupables, mais nous avons fait l'excusable tout. Nous avons appliqué la dernière alinéa, article 271, nous avons fait 4 mois. Comme nous avons dit, nous quelques semaines seulement pour les fins plus GPN, nous avons appliqué la loi Les Finas, loi 4 décembre 1893. Sur la détention préventive qui est la loi Les Finas, qui dit, depuis que nous avons fait 2 mois en prison, tant que nous en prison, après tirer la peine. Comme madame là, tu es presque fin plus GPNI, dans quelques semaines, dans deux ou trois semaines, dans quelques jours, deux semaines, la fin plus GPNI, comme ce gouvernement, est capable d'exécuter des décisions pour vous, à une famille. Toute journée, article 1, alinéa 14, article 25, alinéa 120, article 1000, mais nous tous, nous connaissons article comme ça. Nous connaissons article comme ça, pas vrai, article dans crâne tête nous, mais nous gagnons détention préventive pour loger même pour tout le monde qui est dans prison. Nous connaissons article comme ça. Bandi a fait ça au vient dans pays là, nous avons jamais un article qui dit faut que nous stopper moun ça yo. Nous connaissons article comme ça pendant ce temps les États-Unis a bail section, Canada bail section, pas si et pas là, nous beaucoup jamais un article qui dit comme ça faut que nous ouvrir une enquête pour moun là hein. Nous avons jamais un article qui dit nous, faut que nous ouvrions une enquête sur moun sa yo. Mais toute journée, article c'est si, article c'est là, article 10, article date. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était juge Bernard Séville avec commissaire gouvernement, Edler Guillaume.
Nous gagnons tout, mesdames et messieurs, PAM, qui lançait un appel au don, ensemble avec 136 millions de dollars américains pour plus passer 2000 mounes qui arrivaient déplacés, mesdames et messieurs, à fait pour capable porter aide pour moun sa yo. Sorti août 2023, gagne environ 40 000 mounes qui courent quitter la caillou pour groupe gang. Qui s'en a dit? Je ne dis à la, que ce pour organisation toute journée, après de prendre l'argent sous non, nous, pas si et par là, comme quoi, oui, nous besoin manger, programme alimentaire mondial. Nous besoin pour nous gagner un programme national. Programme national, ça, qui pourra le baser sous agriculture. Programme national, ça, qui pourra le baser sous protection environnement. Programme national, ça, qui pourra le baser, mesdames et messieurs, sous production dans le pays. Nous bouquons toute journée, il y a pas des 135 millions sous tête nous, il y a pas des 100 millions sous tête nous, il y a pas des 200 millions sous tête nous, mais attendez qui aide possible que moun sa yo bay. Non, juste imaginez qui aide possible que moun sa yo bay. Donc aujourd'hui là, il est vraiment important mesdames et messieurs pour nous capables prendre chaque grande opportunité nous gain en dans pays là pour nous avancer correctement parce que aujourd'hui là, il est vraiment important pour nous comprendre que pays d'Haïti besoin pour nous capables avancer ensemble avec lui et pour ça faut que nous gain propre programme par nous, faut que nous suspendre mettre vote nous dans mes étrangers, faut que nous suspendre mettre vote nous dans mes autres pays. Ou tendez ah oui, Taiwan by Vietnam dit oui. La Chine by Veton dit oui. Ah oui, la Russie vini ensemble avec 10 tonnes l'huile. Ah oui, et elle vini avec 10 tonnes spaghetti. Nous bouquet. Nous gagne district fait spaghetti. Nous gagne qui fait l'huile. Nous gagne qui fait pas de tomate. Nous gagne qui fait l'huile. Pour qui ça toute journée, nous chita, nous sémenter 7 fois 77 fois. C'est organisation non gouvernementale qui vous dirige nous en dans pays d'Haïti. N'aime nous expliquer m'bati ça. Nous sémantons que c'est organisation non gouvernementale qui pour diriger nous en dans pays d'Haïti. Pour qui raison exactement? Pour qui but? Pour qui but? Parce que je ne j'en dis là, faut que nous capables de remarquer que la vie bat nous opportunité. La nature, bon Dieu, Guinée, n'importe quel réel, bat nous opportunité pour nous faire ça qui est bon pour le pays d'Haïti, pour nous, on dit genre, chavirer le système pesé sous c'est ça, que toute journée n'a pas le lien là. Est-ce que n'a prêté bras croisés? Est-ce que n'a prêté bras croisés? Est-ce que les canaux ça fin inauguré même en vous, même en gourmand que nous gagnons là, même en vie que nous gagnons là pour nous bailler, c'est dommage soufflette là, est-ce que n'a continué saboter John, c'est dommage ça avec soufflette jusqu'à ce qu'elle sente? Ou du moins, c'est juste un semblant que n'a fait. Faut que tout suspend voir les face tout moment arrivé pour nous capable lever camper pour nous décortiquer pour nous connaître exactement qui ça qui bon pour nous en dans pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, n'a parti parce que c'est vraiment important. Semana nan moment a connait des moments qui vraiment difficiles à compliquer ensemble avec question bandi ça qui chargeait bateau en dans pays d'Haïti. Semana pas capable prendre contrôle bateau ça yo. Non. C'est maintenant pas qu'à prendre contrôle bateau, ça y est, mesdames et messieurs, puisque notamment les chefs en dans pays d'Haïti qui a pas dirigé, eh bien, moun ça y est, ou pas qu'à manger ça y est possédé. Ou pas qu'à manger ça y est possédé. Qui donc, bandit a fait trafic drogue sous bateau, bandit a fait trafic d'âme sous bateau, bandit a fait traite humain sous bateau, bandit, mesdames et messieurs, a transporté marchandises sous bateau, donc ça veut dire là, et puis nous gagnons ces manas qui pas même gagne possibilité pour capable régulariser question si là, parce que, oh, ou pralman un bateau, iso? Non, expliquez-moi. Ou pralman un bateau, ti la pli? Pas la même. Ou bralman yon bateau Chris là? Ou bralman yon bateau là moi sans jour? Donc la justice gagne pour capable prendre responsabilité. OK? La justice gagne pour capable prendre responsabilité dans tout ça qui a passé actuellement là en dans pays d'Haïti. Nous bouquons ensemble avec genre d'histoire ça yo. Nous bouquons tendez, nous pas capable encore. Nous vraiment pas capable encore. Donc ou imaginons que le moisson joli même, li en crevé, li déplacé, li gon groupe gang qui allait jouk nan. Est-ce que nous te connaît que 400 maozo?
Mesdames et messieurs que nous là, before zam 400 maozo sorti dans service secret République Dominicaine. Est-ce que nous te connait ça? Est-ce que nous te connait Rudolf Boulos? Qu'on y gars corrompu dans pays d'Haïti. A fourni 400 maozo zam. Donc ça veut dire c'est oligarque ensemble avec Sidomeng qui kembe 400 maozo en vie comme ça dans pays d'Haïti. Before zam le mensonge ou pas sorti aux États-Unis. Nous supposons comme ça. Puis faut zame la mort sans jour pas sorti aux États-Unis. Aïe aïe aïe. On allez, ne gère en conquête. Rico de Hascar. Rico. Foucault président. Aïe aïe aïe. Pour bailler Haïti en bago. Messieurs, je rencloque. Je rencloque. Ou je rencloque. Oubliez, je rencloque. Oui, oui. Oui. Jean-Pierre Boyer. Je rencloque. Où sont j'ai rencloque. Ou faire assise. Je rencloque. Manger la gamme pour planter nous-mêmes qui achetons l'encore. Qui ou nan bon apande tout kote se nan nou met devan. Sa fè pa bon. Voisin, voisin san fè ou. Ki fè ou rayi nou kon sa. Si la kay devine l'enfer. Ou se yon ki travay pou sa. Voisin, voisin san fè ou. Ki fè ou rayi nou kon sa. Gérant coloquette, c'est ça y est où son gérant coloquette. Donc ça veut dire nous charger ensemble avec gérant coloquette en dans pays d'Haïti. Moun sa yo mesdames et messieurs qui prend le malin plaisir pour yo capable craser pays ya. Bon mon dit l'eau. Pardon. N'a comprendre que je ne jodi en là, gide seri moun qui s'est monté 777 fois, pays d'Haïti pap ka avancé. Comment pour bandi faire posséder bateau en dans pays ya, bateau ka fait trafic drogue, bateau ka fait trafic zam, bateau ka fait traite humain, bateau ka porté marchandise, côté bagay sa sorti, nan ki pays nous tande, la dot kon sa fait sinon Haïti. Tout bandi gen limite dans tout pays. Tout bandi konnen gen limite yo pas supposé dépasser, sauf en Haïti. Parce que c'est eux-mêmes qui maître, c'est eux-mêmes qui seigneur, c'est eux-mêmes qui a fait toute bagaille. En tout cas, mesdames et messieurs, bagaille compliqué. Information ça que m'était sauté hier pour me débattre nous côté Jason Pass citoyen ça qui t'a touillé. Deux citoyens américains d'origine haïtienne, mesdames et messieurs, qui portaient nom Vladimir Mathurin qui a 47 l'année, ensemble avec beau-fils li, Chinua Hamoud qui a 27 l'année, tombé en bas la police ayer 1er octobre. Ah oui, Fabiola. Je rencontre qui est à Krazo, ayer 1er novembre 2023 dans Brooklyn, mesdames et messieurs, dans affrontement avec la police, citoyen ça arrivé tombé en babal. N'a rappelé que, eh bien, incident ça t'est passé dans un couloir dans Brooklyn, dans dimanche, qui saute passé à là, qui était 29 octobre 2023, côté deux citoyens ça y est, t'as perdu la vie à cause d'une question de musique qui était trop fort, eh bien, bagala lui-même, Litevine dégénéré, la police, mes amis, la police nationale d'Haïti, t'as supposé prendre exemple parce que c'est comme ça ou combat bandit. Yo pas mettez assassin en prison. Yo pas mettez bandit en prison. Quand on croise là, c'est mortellement blessé, supposé. Son bagay comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, nous mettez bout là dans la rubrique nous jeudi. Rendez-vous cassé 7h30 pour prochaine sortie édition. Si là, restez bénis et protégez tête nous. Bye bye. À la prochaine.